Eh bien bonsoir YouTube, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un passage, légende avec un deck de ma création, un chaman qu'on appelle le chaman Super Control. C'est pas un deck qu'on retrouve souvent sur le ladder, mais je voulais vous le présenter, je pense que vous l'avez jamais vu. Le voilà, il est sur le côté ici. On est rang 1 à 5 étoiles, il est sur le côté ici. Et c'est un deck voilà, qui est fait clairement pour contrôler, on va dire, le board. Ouh, il y a Revenge qui s'est sub. Merci à toi, mon pote. Il est 3h du matin au passage. Hein. Vous êtes nombreux en plus, vous êtes combien? J'ai 2500, c'est plaisir. Il est 3h43 du matin. Et voilà, c'est un deck extrêmement. Voilà, c'est un deck, il est là pour vous empêcher en fait vos adversaires d'avoir le board en fait. Le but c'est clairement de contrôler votre adversaire. Vous jouez, c'est pour ça que vous jouez deux portails de Maelstrom, qui est une carte purement contrôle, n'est-ce pas? Et c'est très important d'avoir deux portails de Maelstrom. Si vous les avez pas, vous pouvez pas jouer le deck parce que sinon ça deviendrait un deck aggro. On a également deux sans visage nimbés de flammes, qui sont des 7-7 que vous pouvez jouer tour 3 avec la pièce ou tour 4 pour les plus exotiques, les plus lents d'entre vous, tour 4. Et 7-7, ça vous permet de correctement contrôler le board également, évidemment. Et vous avez aussi plein de sorts comme des explosions d'âme, etc., qui vous permettent de bien contrôler le board en toute situation, à tout moment dans la game. Voilà, et voilà, je voulais vous présenter ce deck-là. C'est pas un deck forcément très répandu, mais c'est un deck quand même qui peut vous plaire, qui pourrait vous plaire, qui pourrait être fait pour vous. C'est un deck qui nécessite pas mal de réflexion, malheureusement. C'est voilà, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ne le jouez pas si vous voulez juste. Ouais, si vous voulez juste rouler votre front sur le clavier, je vous le conseille pas forcément quoi. Mais si vous êtes suffisamment courageux et ambitieux pour essayer des choses nouvelles, c'est un deck que je vous recommande à tous et à toutes. Pardon, j'ai tapé dans le micro, à tous et à toutes sur YouTube les amis et sur Twitch évidemment. Les bros sur Twitch le voient, on l'a joué un petit peu ce soir. C'est un deck extrêmement cool et extrêmement interactif qui permet de faire des games plus ou moins longues la plupart du temps. Putain, je vais mettre une musique. Mettons une musique épique pour ce passage légende. On est contre le final boss et le druide. C'est la première fois hein, qu'on arrive en 1-5 étoiles là, cette saison. On n'a pas échoué avant. C'est la première tentative. Hein. Les vrais savent hein, sur le chat. Oula, pourquoi elle a tapé là? Oulala, ça veut dire balayage ça. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire balayage. Alors, est-ce qu'on a une stratégie anti-balayage? J'espère, on va contrôler ces HP là. Là, le but c'est de contrôler ces HP. Voilà, hop, on va faire comme ça. Et là, regardez. Là, l'idée c'est qu'en contrôlant ses HP, en fait, le but c'est quoi? C'est qu'il n'ait pas suffisamment d'HP pour pouvoir faire pouvoir héroïque dans mes créatures. Parce qu'en fait, quand il fait pouvoir héroïque dans mes créatures, c'est un petit peu. Voilà, c'est un petit peu chiant. Donc là, le but c'est clairement de l'en empêcher en fait. Et on va continuer comme ça en fait. On va contrôler ses HP de manière à l'empêcher de taper dans mes créatures avec son pouvoir héroïque. C'est clairement juste du contrôle. Alors, hop, petit totem. Là, 1-1, c'est la pire parce qu'on va se faire balayage. Donc là, ouais, vraiment pas de chance. Terrible, terrible, on a raté le 25%, bon, c'est pas très grave, hein. C'est des choses qui arrivent évidemment, même au meilleur, vous le savez. Je vais taper ici avec l'arme, c'est pas très grave de perdre l'attaque ici, parce que de toute façon, normalement, il va balayage sur ce tour. Donc je suis pas forcément très inquiet. Voilà, enfin, s'il a pas balayage, évidemment, c'est champagne, mais il va l'avoir, voilà, c'est sûr. La raison pour laquelle il a tapé là-dedans, c'est qu'il a balayage. Sinon, son play n'avait. Voilà. Alors là, on est dans une situation parfaite. Donc il faut aussi savoir un truc, c'est qu'avec ce deck-là, c'est pas. On va pas dire que c'est un deck magique, mais c'est un deck qui, voilà, la plupart du temps, va vous allez être au bon endroit au bon moment. Parce que là, étant donné que lui a eu énormément de chance, il joue un deck très très malhonnête et sale. Il joue un deck sale avec des balayages et des trucs dégueulasses. Et c'est, voilà, les gens qui jouent druide, moi j'aime pas en plus. Moi j'aime pas. Bah là on arrive dans une situation où moi le jeu va m'aider un petit peu parce que, en fait, et vous aussi, hein, vous aussi, le jeu va vous aider un petit peu parce qu'en fait, le truc c'est que, vu que votre adversaire joue une classe un peu, voilà, un peu. Voilà, c'est un peu. Qui vend un peu son âme au diable, on va dire. Le pacte avec Lucifer, avec le Shaitan. Le jeu va automatiquement vous aider, faut le savoir. Tout le monde, hein, tout le monde. Donc à ce niveau-là, faut pas s'inquiéter, voilà, pas d'inquiétude évidemment. Vous serez toujours gâté par la RNG. N'est-ce pas? Alors, allez, on va voir. Je joue des cartes dégueulasses, hein, dégueulasses, mon adversaire. Alors faisons ça. Alors, on pourrait faire ça et ça, mais ça sert pas à grand chose. Donc en fait, je vais faire totem. Ici, évidemment, le mieux serait d'avoir le totem de heal. Le dégât des sorts. Alors, le dégât des sorts, il est pas mal également parce que regardez, du coup, ça nous permet de faire ça et de contrôler ses HP. Encore une fois, très important de contrôler ses HP à tous les tours pour s'assurer qu'il n'en est pas trop. Pardon. Pardon. Un petit peu de Red Bull. Dégueulasse. Dégueulasse, mon adversaire. Vraiment. Vraiment dégueulasse. Moi je cautionne pas hein, son mode de jeu là. Voilà, c'est. Achète-toi une âme, moi j'ai envie de lui dire. Achète-toi une âme, n'est-ce pas? Voilà, bim.
Et on va taper comme ça, on va contrôler, on va s'assurer évidemment qu'il ne reste pas, qu'il ne soit pas trop haut en point de vie. Pardon. Et voilà, et voilà. Donc là, attendez. Normalement, s'il a pas la 5-10 stone, ah putain, vous voyez à quel point c'est malhonnête comme façon de jouer de part de mon adversaire. Là, je peux monter à 6 d'attaque, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'à 5 d'attaque, 6-7, c'est mieux comme ça. Regardez, si je fais ça. Attendez, je peux monter à 6 et aller face aussi. Mais ça vaut pas le coup. Parce que du coup, j'ai pas l'étal. Parce que ça fait 6 face, mais après, il reste à 1. Et s'il a genre rage farouche en armure, bah là, je suis pas bien. Là, j'aurais une tête de con. Je serais là comme. Oh là là, mais pas bien et tout. Attendez, je pense que ça, c'est mieux. On va faire ça. Et ça. Bah, tranquillement. Bam. Pas de panique, pas de panique. Bon, c'est pas mal ça, ma foi, c'est pas mal. Est-ce que si je fais totem langue de feu, l'aura d'agonie marche? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, ça, c'est un deck où les parties sont relativement interactives et équilibrées en fait la plupart du temps. Oh la colère, mais regardez-le. Regardez-le. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Oh, Drake Azur, ça c'est pas un Drake Azur. Est-ce qu'on peut avoir l'étal, cela dit? Ça et ça, ça va taper 3 et on trade les deux ici. Je pense que ça c'est mieux. Ça c'est mieux, ouais. Allez, éruption de lave, c'est l'état, cela dit. Ah, on n'a pas de chance. Hein. Franchement, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de chance dans cette partie. Mais c'est pas très grave. C'est un deck en fait qui met vraiment le talent en avant et qui fait que vous allez gagner seulement si vous êtes meilleur que votre adversaire. Donc c'est vraiment important de voilà de. Ne pas tilt en fait lorsque vous jouez ce deck là. Il faut rester dans une optique où vous commencez la partie en fait la plupart du temps. Là par exemple, quand on a commencé lui et moi, ce qu'il faut savoir et ce dont il ne faut pas douter, c'est qu'au moment où la partie a commencé, on avait tous les deux 50% de chances de gagner. Voilà, il n'y avait pas un mec qui était désavantagé ou avantagé de quelque manière qu'il soit. On était tous les deux à peu près des chances équivalentes de gagner parce que voilà, on joue des decks à peu près équivalents. Tous les deux on joue des decks plutôt voilà plutôt modestes. Donc là, si je fais ça, ça passe à 6 d'attaque. Donc 6 avec ça, ça fait 10 et avec ça, ça fait 11, 12, et 13, 14, et il est à 13. Donc là, si on fait ça, évidemment, ça fait l'étal. Très important les mathématiques aussi avec ce deck. Alors je sais que le viewer moyen est pas forcément extraordinaire en mathématiques. Voilà, et il abandonne. Il abandonne pourquoi? Parce que là, il se sent sale en fait. Il s'est dit, ouais, j'ai joué un deck dégueulasse. Je me suis fait remettre à ma place par un joueur noble, un joueur talentueux. Et c'est uniquement le fait que. En fait, j'ai mieux joué que lui, c'est-à-dire que j'ai eu des décisions très difficiles à prendre dans cette game, notamment par exemple tour 4. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tour 4, n'importe qui aurait pas fait ça, tu vois. Moi, j'ai recouru à toute ma stratégie de guerre, et j'étais stratège de guerre à l'époque, 14-18 et tout. Et voilà, j'ai recouru à plusieurs petites techniques pour. Venir à mes fins, à vaincre mon adversaire qui lui évidemment était très malhonnête et très très dégueulasse. Vous pouvez vous moquer de lui, n'hésitez pas pour avoir joué un deck aussi dégueulasse. Voilà. Les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce deck qu'on appelle le chaman super contrôle. Super contrôle, pourquoi? Parce qu'il n'y a non pas un mais deux portails de Maelstrom. Deux portails de Maelstrom, les gars, moi je vous le dis. Parce que vous connaissez beaucoup de decks avec deux portails de Maelstrom. Le deck super contrôle, c'est le deck de ma création. Que voilà, j'étais là une fois, je dormais comme ça. J'étais en train de rêver de Emma Watson avec Clara Morgan et tout. C'est comme d'habitude dans les petits harems dans le sud de la France. Et là, j'ai eu une idée de ouf. Je me suis réveillé en surjeu. Oh, chaman super contrôle. On va créer ce deck là, on va passer les gens, on va le montrer à tout le monde. Et comme ça, tout le monde pourra jouer correctement à Hearthstone. Donc, n'hésitez pas à le jouer si vous voulez passer les gens. Mais rappelez-vous toujours qu'il faut contrôler avec. Il faut contrôler et il faut réfléchir un maximum. Je vous fais des bisous, les potes, sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une expérience sociale. Les gens sur YouTube, sur Twitch, savent pourquoi j'ai fait ça. C'est une expérience sociale. C'est pour distinguer les plus fins observateurs d'entre vous et les plus intelligents. Je vous fais des bisous sur YouTube, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.